Il y a une vraie histoire de la musique moderne éthiopienne qui se rapproche de l'histoire de toutes les musiques modernes africaines dans ce siècle-là, les interactions avec l'Amérique, la musique cubaine, l'Occident et la musique dominante, celle ce qu'on a l'habitude d'entendre, elle descend principalement de la culture amara, oromo, enfin d'une partie centrale du pays. C'est vrai que cette fille n'est pas banale. C'est la première, on est venu avec le groupe pour la première fois en janvier 2007, ça devait être. Et je crois que c'est la première chanteuse, les premiers musiciens qu'on a croisés, c'était au Fendika. On s'est retrouvés directement embarqués par un ami à aller au Fendika, à Kasanchis, qui est le quartier Asmari d'Addis Abeba. Et puis, du coup, c'est un lieu où on est repassé. Je suis repassé à chaque fois que j'étais en Éthiopie. La fois que je l'ai chanté était à Gondor, la ville, ma ville natale. Mon père et ma mère sont des chanteurs. J'aimais beaucoup regarder mes parents chanter, ça me faisait plaisir, donc j'ai rejoint la musique très très jeune. Thank you.
5 ans de l'école de Missouri. C'est quand it's better. This is first. C'est quand it's better. 5 ans, 5 ans. Ok. Elle était mieux sur la deuxième, mais on va en faire une troisième. C'était pas parfait. Elle est Gondari, la région de Gondar. Donc la plupart de son répertoire vient des Asmari Gondari. Elle est assez directive et précise sur les intentions qu'on doit mettre, les tempos, elle sait très bien où elle veut aller. Après, c'est un ajustement de tempo, d'intention, de sensation. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus un rapport entre les musiciens et la danseuse qui amène ça, ou entre la chanteuse et la danseuse? Ce qui m'arrangerait, moi, c'est j'ai joué avec plusieurs groupes de jazz. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent leur propre truc. Et moi, j'improvise la danse basée sur la musique qu'ils me donnent. Il faut que le rythme soit rapide pour qu'elle puisse danser cette danse.